Il y a trois opérations qui avaient été identifiées, hein, l'opération 1, 3 et 2, donc 1 plus 3, qui concernait du coup, dans un premier temps, le renouvellement des 15 km de réseau sur Capesterre. Donc pour ce faire, pour la région a mené un diagnostic. Ce diagnostic a pu déterminer les secteurs les plus fiables. Et du coup, on a lancé des travaux via notre marché région en 2020. Et dans le cadre de ces travaux, on a pu travailler sur Capesterre sur différents secteurs. Donc on a commencé du coup par le secteur de Moulin à Eau, en renouvelant les réseaux, en renouvelant les branchements. Le secteur de Bananier, le secteur de Cambeaufort, l'impasse Souffleur à Saint-Sauveur et sur le secteur de Mont-Saint-Jean. Donc ça, c'était dans un premier temps des travaux portés par la région dans le cadre du renouvellement des réseaux. Donc ensuite, du coup, on a commencé l'opération 2, donc qui consistait du coup à la création de 5 réservoirs de façon à pouvoir sécuriser l'alimentation en eau potable sur le secteur. Sur ce secteur qui était en souffrance, où nous avions pas mal de tours d'eau, donc les gens avaient un manque d'eau pendant 2 ou 3 jours. Et du coup, les travaux commencés en 2021 se sont achevés en avril 2022 avec une mise en exploitation à fin mai 2022. Donc aujourd'hui, l'exploitant du coup exploite ses infrastructures et du coup, on ressent une amélioration au niveau des abonnés. Donc à savoir en fait que ces travaux, ils ont consisté à la création de 3 réservoirs. Une première bâche tampon qui se situe en bas, le réservoir béton de 250 m3, qui alimente en cascade du coup les deux autres réservoirs. 900 m3 à Frédéric-Rapin et 800 m3 ici. Donc ces travaux de sécurisation nous permettent aujourd'hui d'avoir un stockage de 2000 m3 via ces réservoirs et de desservir à peu près 1700 abonnés, ce qui représente à peu près 4000 personnes concernées par du coup, ces travaux d'amélioration de la sécurisation d'eau sur le secteur de Capesterre-Belleau, notamment sur routier Foucault-Cacao. En plus de ça, du coup, le fait d'avoir redéfini du coup, le schéma de distribution de la zone, ces travaux nous permettent aussi d'une certaine façon d'améliorer la distribution du feeder Belleau-Cado, qui cette canalisation de 700 qui dessert toute la Basse-Terre jusqu'à la Désirade.